C'est 32. Bon. Nous sommes en direct. Pourtant, le chrono annonce une quarantaine de secondes. Ah non, tu es en retard. Tu es en retard. Oui. Nous sommes en direct. Je pense que les auditeurs peuvent nous le confirmer à l'oral. Enfin, à l'écrit, du coup, plutôt. Bonjour. Bonjour d'ailleurs et bonsoir plutôt même à tous nos auditeurs et à nos spectateurs, puisque là c'est plutôt un. Alors même s'il n'y a pas de vidéo pure, on va dire que c'est quand même un outil plutôt visuel que le podcast, par exemple. Oui. Et bonjour et bonsoir à tous. Du coup, on vous accueille pour un nouveau live Twitch, je ne sais pas combien tième, hein, ça doit faire 5 ou 6 désormais. Que maintenant on a démarré sur Twitch. Et comme d'habitude, on a Yann. Oui, bonsoir. Yann qui apprend un peu la technique sur le tas. Hein. Oui, ah oui, très clairement. Hein, des lives décidés le matin pour le soir. Allez. Mais on voit quand même une nette progression au niveau de tout ce qui est technique. Donc bravo mon cher Yann, tu fais du très très bon boulot et on t'en remercie. Merci. Penche, tu es là aussi, évidemment, après ce match nul. Oui, bonjour. Bonjour à tous, et bluffé par Yann et sa technique. Maintenant, il y a des sondages, c'est fou, c'est merveilleux. Et est-ce que vous avez vu à rebours, un piqué des hannetons, évidemment, qui a valu à Yann la remarque d'un compte à rebours Kermasport. Et ça, c'était... oui, Stade Brestois, je vais même jusqu'au compte à rebours. Oui. Et un invité pour cette petite heure de compte rendu, de débat autour de ce Brest-Nîmes, c'est Paul Boeck du Telegram, qui n'est pas étranger de l'outil Twitch, puisqu'il présente tous les mardis, ou en tout cas la grande majorité des mardis, ce n'était pas toi qui étais là mardi dernier sur le Twitch du Telegram. Ça, c'est lui, ça. C'est ça. Quand ça marche, c'est toi. Salut messieurs, salut tout le monde. Alors, pour cette petite heure... Un petit qu'on vous a concocté avec. On a mis les petits plats dans les snips d'anthologie. Bataille pour le maintien avec donc trois petites parties sur donc le match en lui-même, évidemment, le match nul, un partout. On va revenir dessus en long, en large et en travers. Est-ce que c'est un bon point? Est-ce qu'il aurait fallu évidemment il aurait fallu gagner, mais est-ce que ça aurait peut-être pu pas être pire? L'avenir d'Olivier Dalloglio, après notamment la dernière semaine qui a été un peu tumultueuse au niveau des rumeurs et autres articles sur la presse nationale et régionale, puisque on a un membre du Telegram qui a sorti une grosse interview d'Olivier Dalloglio. Et enfin, on fera un peu le point sur le maintien avec notamment les résultats des autres équipes. Très très beau but de Martin Terrier. La belle victoire de Lens, le prochain adversaire du Stade Brestois face à Lorient. Voilà, on fera un peu le point sur tout ça. Et évidemment, Bordeaux qui coule petit à petit. Commençons, tout à fait. Avec déjà ce petit sondage. Sondage. Vous pouvez voter en écrivant oui ou non. Dans le chat, 1-1 face à Nîmes, êtes-vous satisfait du visage affiché? Alors, on parle bien du visage affiché, n'est-ce pas, mon cher Yann? Ah merde, tout à fait. Et pas du résultat. Le résultat, ça sera un second sondage. Eh oui, parce qu'on est complet. Je pense que les gens n'ont pas bien lu, peut-être. Oh. Parce que le visage affiché, en tout cas, pour peut-être démarrer là-dessus, puisque c'était... l'un des principaux points d'interrogation après la catastrophe lorientaise. Le visage affiché a été plutôt bon, en tout cas de mon point de vue. On va peut-être laisser la parole à l'invité, hein, en tant que grand gentleman que nous sommes. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, uniquement sur le visage affiché et l'attitude des joueurs? Ouais, bah moi je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je suis plutôt rassuré par le contenu du match, par l'état d'esprit global, même si évidemment il y a quand même pas mal de déceptions individuelles, mais par rapport au match contre Lorient, il n'y a même pas photo, quoi. On a bien vu qu'ils sont allés la chercher. Après, évidemment, on sent que c'est une équipe qui est en cruel manque de confiance à peu près tous les étages, quoi, que ce soit derrière, au milieu, devant, c'est terrible. On sent qu'il y a
qui a un manque de confiance, mais on n'a pas vu une équipe de Brest qui lâche, à mon sens, en tout cas cet après-midi. C'est ça qui est intéressant, parce que d'autant que voilà, Nîmes a ouvert le score. Après un bon début de match, hein, je pense, de Brest, il y a quelques opportunités pour ouvrir le score. Et puis là, la sentence qui est terrible, hein, on a l'impression de retrouver le Brest du début de saison qui prenait un but sur n'importe quelle opportunité adverse. Mais on a vu l'équipe de Brest qui n'a pas abdiqué, qui n'était pas loin pourtant de prendre un deuxième but dans les minutes qui ont suivi le but de Koné. Mais ensuite, voilà, le coup de pied arrêté qui a quand même été salvateur à un moment où Brest était quand même dans un temps faible assez fort, justement. Un vrai but qui a fait du bien à tout le monde, que ce soit dans les têtes ou même dans le jeu. C'est un symbole en plus, hein. Que ce soit Chardonnay qui le marque. Oui, très clairement. Après, on ne va pas se mentir, ça arrive peut-être contre le cours du jeu. On marque sur coup de pied arrêté dans un temps où Brest ne faisait plus grand-chose. Et ça, c'est encore très important. Je le disais en début de saison, c'est bien de marquer sur ses temps forts. Mais réussir à être solide et à marquer sur ses temps faibles, c'est ça au final qui va te permettre de te maintenir. Après, moi, je serais plus pondéré que vous parce que effectivement, c'était beaucoup mieux contre l'Orient dans l'envie, dans l'agressivité, surtout l'agressivité. Mais malgré tout, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas, malheureusement. Je crois que Brest tire 22 fois au but, il y a 4 tirs cadrés, et en toute franchise, il y a peut-être une, deux bonnes occasions face à un Nîmes qui était, je le rappelle quand même, pire défense de Ligue 1, qui l'est toujours. Un Nîmes qui n'a pas montré un grand visage encore une fois. Donc c'est un peu, je suis plus partagé que vous, en tout cas, sur ce point-là. Après, il y a aussi des occasions qui ne se sont pas terminées par des tirs. Tout à fait. Notamment en tout début de match, Mounier qui trouve Cardona qui est un peu juste. Oui, c'est le Fèvre. Le but grand ouvert, celle de Fèvre en fin de match où il se fait quand même. Il y a un tacle pas très bien maîtrisé de la part du Nîmois qui arrive les deux pieds en avant. Il a quand même pas mal de chances de ne pas se sortir avec un penalty. Voilà, donc presque il a quand même été bien meilleur, on va dire, que contre l'Orient. Penche. Oui. On t'a pas. Est-ce qu'on n'a pas le cul entre deux chaises finalement après cette rencontre? Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire aussi. Moi, je rejoins un petit peu ce qui était dit, notamment l'analyse de Yann, même de Paul. Hein. C'est vrai que lorsqu'on j'ai vu qu'on était mené très rapidement au score face à une équipe de Nîmes, je me suis dit ils vont truquer le match, ils vont défendre, ça va être très très compliqué. Ce qui est bien, c'est qu'on a réagi assez rapidement sur coup de pied arrêté. D'ailleurs, on pourra revenir sur les coups de pied arrêtés, hein, qui ont été plutôt bien tirés en première mi-temps et catastrophiques en deuxième. On en a eu énormément et on n'a jamais eu une seule occasion là-dessus. C'est un petit peu dommage, surtout face à une équipe qui défendait très bas. Après, le symbole de Brendan Chardonnay qui marque est beau aussi, je trouve. Hein. C'est lui qui avait remobilisé un petit peu tout le monde après le match de Lorient. Je pense que c'est avec cet état d'esprit-là, en tout cas, que s'il maintient, il doit y avoir un maintien, il y aura. Après, le cul entre deux chaises, effectivement, pour moi, c'est quand même deux points de perdu plutôt qu'un point de gagné, même si on laisse Nîmes 6 points derrière. C'était là qu'il fallait gagner. Quoi. On en reviendra tout à l'heure, qu'est la suite du maintien, mais pour moi, c'était aujourd'hui qu'il fallait prendre 3 points. Bah, peut-être, voilà. Justement, puisque tu parles de est-ce que c'est un bon point ou non, voilà, hop, deuxième sondage. Bon, il n'y en aura pas 5000, hein, on ne va pas vous spammer. Mais là, c'est l'autre question, effectivement. Est-ce que pour vous, c'est un bon point ou non? Et là, est-ce peut-être. Que du droit de voter. Bien sûr. Très bien. Je vote donc. Et là, il y aura des gens qui vont voir le verre à moitié vide et ceux qui vont voir le verre à moitié plein. À savoir que je pense que Brest était quand même. Ce qui est rassurant, c'est que Brest, je pense, est quand même au-dessus de Nîmes en termes de valeur. Et l'a prouvé dans ce match, même s'il n'y a pas une victoire au fond. Surtout en deuxième période. Ouais, c'était vraiment une attaque défense en deuxième période. Pourtant, Brest. Alors, tu parlais des coups de pied arrêtés. Je pense que là, le vent a quand même une certaine influence. Parce qu'on voyait notamment en première période que les dégagements de René n'arrivaient pas à la ligne médiane. Donc il y avait quand même, je pense, pas mal de vent et que ça n'a pas aidé. Mais c'est vrai que je pense que Brest a quand même été largement au-dessus des Nîmois. Et si, d'autant plus avec l'avance, il vaut mieux être supporter brestois que supporter Nîmois après cette rencontre. Parce que c'était quand même à Nîmes d'essayer de marquer.
d'essayer de faire le jeu. C'était un match à 6 points pour les deux équipes. Hein. Et Brest a montré que, notamment en deuxième période, effectivement, parce que les vagues se sont succédées, ça a manqué un peu de justesse technique, on va dire, dans les 20-25 derniers mètres. Est-ce que vous expliquez pas ça aussi par un manque de confiance? Je trouve les pieds, le ballon brûlait un petit peu les pieds. Il y a eu certaines fois où il y avait, on voyait en première partie de saison, il y avait des décalages qui étaient faits de Perrault ou de Pierre Gabriel. Pierre Gabriel, d'ailleurs, faudrait peut-être qu'on revienne sur lui à un moment donné, qui étaient faits en une touche de balle, des choses qui étaient un petit peu plus fluides. Là, il y a à aucun moment on a vu du jeu en première intention. J'ai aucun souvenir d'action qui s'est faite vraiment en une ou deux touches. Il y en a une côté droit en deuxième période, un double 1-2, il y avait Pierre Gabriel justement. Et celle-là, c'est l'une, on aurait retrouvé le. Enfin, à mon sens, c'était l'une des rares occasions du match où on avait l'impression de revoir ce Brest de la période fast de première partie de saison où ça jouait super bien, rapide et tout. Mais c'est comme ça, je te rejoins, hein, t'as complètement raison par rapport à ce manque de confiance. Je pense que ça se traduit par cette prise de risque moindre prise par les joueurs, etc. Je suis d'accord, et ce qui peut poser problème, c'est que finalement le ballon va être de plus en plus chaud jusqu'à la fin du championnat. Si les écarts se resserrent, je vois pas l'équipe prendre confiance. Une victoire contre Lens pourrait nous libérer d'ailleurs à ce sujet, mais bon, on verra pour la suite. J'ai un autre exemple aussi d'action en fin de première période, où Fèvre est lancé dans la profondeur après une belle action d'une touche de balle avec les quatre offensifs, mais son contrôle est un peu moyen et le ballon va directement dans les bras de René. Mais c'est vrai que ça manque un peu de créativité, hein, face à un bloc qui était quand même assez bas. Cardona ne sert pas à grand-chose. Oh, et là, je pense qu'on va parler de Gaëtan Charbonnier, évidemment. Ce sera peut-être le gros sujet avec dans le débat sur Olivier Daluglio. Fèvre, qui est sûrement mieux analysé par les équipes adverses. Hein. Tout le monde connaît maintenant Romain Fèvre et tout le monde sait ce qu'il sait et il ne sait pas faire. Et les équipes peuvent à le neutraliser, d'autant plus que je pense qu'il est quand même un peu fatigué après cette longue saison. Oui. Les stages en équipe de France ne l'ont sûrement pas aidé. Un Mounier qui, je pense, a trop le but dans la tête maintenant. Ça fait quelques temps qu'il n'a pas marqué, il veut absolument marquer, quitte à en faire un peu trop parfois. Il y a quand même une action où il doit donner. Hein. D'ailleurs, Quentin, je me permets de te couper sur Mounier. J'ai été un peu surpris, surtout en deuxième mi-temps, parce que je l'ai trouvé très volontaire, comme d'habitude, et vraiment très actif. Il s'est beaucoup battu, tu l'as dit. Mais je l'ai trouvé souvent très loin de l'endroit en fait, où il devrait être, parce que finalement, Mounier, son point fort, c'est d'être dans la surface et de placer sa tête. Et souvent, je l'ai vu, justement, être à l'endroit du... Il était au centre. Il était au centre et il ne pouvait pas être au centre. C'est un peu frustrant de voir ça, parce que c'est quand même notre meilleure chance offensive dans le domaine aérien. Et c'était lui qui faisait des centres pour des gars comme Honora ou Cardona, qui, eux, dans le domaine aérien, ne sont largement pas à son niveau. Donc, je ne comprends pas vraiment ce qui lui a été demandé. Est-ce que c'était un choix de sa part de toucher le ballon pour se rassurer ou pas? J'étais très surpris, en tout cas. Mais si on revient à la question initiale, toi, je crois, Quentin, que tu voyais plutôt le verre à moitié plein sur le fait que ce soit plutôt un bon point. Oui, bah après, c'est un peu ma nature aussi. Hein. Je suis plutôt l'optimiste de l'équipe, on va dire. Et c'est sûr qu'avec une journée de plus et donc une journée de moins à passer, on reste à 6 points de Nîmes. Évidemment, ça aurait dû être une victoire, je pense, parce que Brest était au-dessus de Nîmes, et surtout Nîmes n'a absolument rien fait pour marquer et gagner ce match, alors que je pense que c'était quand même l'équipe qui avait le plus besoin de gagner ce match. Mmh. Eux auraient fait une grosse opération à la fois comptable et psychologique face à un Brest qui était quand même prenable, hein, même pour une équipe comme Nîmes, et qui a trop essayé de... Ils ont essayé de défendre, hein, finalement, et à la limite, s'il y avait une petite opportunité, ils y allaient. Finalement, ils sont pas si loin, hein, puisqu'il y a un but hors-jeu pour une rotule, une épaule. Oui. Ils étaient finalement pas loin, mais c'est vrai que pour moi, statistiquement en tout cas, on reste à 6 points du 18e. Nantes a perdu aussi, donc ça fait 8 points du premier relégable immédiat, on va dire. Et donc, statistiquement, il reste une journée de moins ou ni moins pour nous reprendre 6 points. Quoi. Tu reprends un point sur Lorient, tu reprends un point, mine de rien, il ne faut pas les écarter. Mais Bordeaux, quand on voit leur série actuelle... Bordeaux, ils sont avec nous. Hein.
Ah, j'ai un pote qui depuis 6-7 matchs, me dit qu'il est serein pour le maintien et tout. Bah, là, pour la première fois, il me dit qu'il commence un petit peu à serrer les fesses parce que quand tu vois leur dynamique et ce qui se passe en interne et tout, et leur calendrier, pour le coup, est bien plus compliqué que le nôtre, à mon sens. Oui, on y reviendra tout à l'heure, justement. Ouais, c'est un double tranchant d'avoir plein de... soit des gros clubs, soit des matchs à 6 points, on va dire. Parce que c'est sûr que voilà, si tu perds, un concurrent, donc c'est toujours c'est pour ça que par rapport à ce que tu disais Quentin sur moi j'ai plutôt tendance à te rejoindre sur le verre à moitié plein, pas dans le sens où c'est évidemment un bon résultat à ce point du match nul, mais surtout quand on prend ce premier but je me dis putain si tu t'arrêtes là en termes comptables, t'as Nîmes qui revenait à 32. T'avais deux équipes derrière toi qui étaient plus qu'à 3 points, donc c'est pour ça qu'au final ce point du match nul, ah, il est frustrant parce que Brest est semblé au-dessus, mais putain, fallait surtout pas le perdre ce match. C'est ça, et même en fin de match, où je pense que certains auraient milité pour envoyer tout le monde fleur au fusil, bah, je pense qu'il fallait quand même savoir un peu raison garder, et peut-être, voilà, si on n'arrivait pas à le gagner, il fallait savoir ne pas le perdre, et c'est comme c'est bien marqué sur l'écran là, mon cher Yann, c'est un moindre mal. Très bien. Et sur l'écran, justement, vous avez aussi les notes de l'équipe. Bon, on le sait tous, l'équipe ne regarde pas les mêmes matchs que nous en général. Mais voilà, ça vous permet un peu de réagir. Est-ce qu'il y a des notes qui vous choquent? La meilleure note brestoise, c'est, sans surprise, Brendan Chardonnay avec un 7. Encore une fois costaud. Ça, encore une fois costaud et vraiment une constance dans les performances. Même contre Lorient, surnager, peut-être le seul à surnager. Vraiment une constance désormais à 26 ans. D'ailleurs, je faisais la remarque, c'était le deuxième joueur le plus âgé hein, sur la feuille de match côté brestois, juste derrière Mouni avec ses 27 ans. Vraiment une constance depuis 6 mois, depuis qu'il est titulaire, qui est épatant. Pour moi, ce que tu dis, comme... là, c'est un problème justement, Quentin, que ce soit le deuxième plus jeune à 26 ans. Dans la situation actuelle, je pense que peut-être un manque de caractère dans l'équipe. Alors, le caractère ne va pas forcément avec l'âge, tu vas me dire. Hein. Mais justement, peut-être un manque de tauliers, de véritables joueurs comme certaines équipes peuvent avoir et qui vont se sauver. Hein. Je n'en ai pas forcément en tête, mais souvent on dit que c'est souvent l'expérience parfois qui fait la différence quand une équipe joue le maintien. Alors Chardonnay, il a de l'expérience, parce que ça fait très longtemps qu'il est au club. Mais est-ce que c'est à lui de remplir ce rôle-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très très content pour lui. C'est clair qu'il fait une saison vraiment exceptionnelle. On ne s'attendait pas à ça. Si tu parles d'expérience et sur les 11 joueurs, tu regardes, il n'y a absolument aucun. Peut-être Mounier, une saison complète de Ligue 1. Ouais, c'est ça. Oui. Mais oui, ça pose la question, on se l'était posé, ça se pose la question de la construction de l'effectif aussi. Est-ce qu'il a été pensé correctement? Moi, j'en suis pas certain. Je critique pas forcément la construction de l'effectif entier, mais je trouve qu'il y a peut-être des manques à ce niveau-là, en tout cas. Après, t'avais l'année Belkebla absent aussi, qui quand même est l'un et l'autre. Bon, Belkebla, c'est plus mesuré, mais il a une saison entière l'année dernière de Ligue 1 dans les pattes, et puis là, il a de l'expérience aussi. Puis il y a Christophe Herrel aussi qui semble enchaîner les blessures, malheureusement. Hein. Mais quand même, il y a un point sur lequel je reviens sur ce que Franche disait, c'est qu'effectivement, ça montrait de patron, manquer de patron, manquer d'expérience. Mais il y en a un sur ce match-là que j'ai trouvé avec un comportement de patron, et ça, c'est la plus grande. Ouais. Ah bah c'est une grande surprise, comme l'a dit Paul, c'est Magnetti. J'avais voté Arsenault aussi. Aussi, mais je pense qu'on peut-être s'attarder plutôt sur Magnetti, parce que personne ne l'attendait. Gauthier Arsenault, qu'il soit là ou pas en deuxième mi-temps, ça ne change rien finalement. Oui, mais en première... Ouais, c'est vrai. À 1-0, il en fait une grosse. Et après, même sur sa réaction, après son arrêt, il remobilise, il n'hésite pas à donner de la voix, donc après, on n'en doutait pas. Hein. Lui, c'est un leader dommage qui joue gardien, finalement. Oui. Mais on n'en doutait pas et ça fait quand même du bien de l'avoir et pas l'avoir un autre gardien dont on ne prononcera pas le nom, évidemment. Mais du coup, moi, je voulais parler de Magnetti parce que on n'avait aucune certitude sur lui. Son dernier match, c'est un match à Nantes où, on ne va pas se mentir, il était catastrophique. En conférence de presse, il ne s'est pas vraiment fait soutenir par le coach cette semaine. On y reviendra. Et bah, au final, il ressort très bon au duel, très sûr de lui, comme le dit Sniper, et puis surtout très intelligent. Il n'est pas allé se disperser.
Et ça, c'est la grosse surprise sur un match comme ça au couteau. Moi, ouais, contre Nîmes. Bah ouais, c'est ça. Contre. Ah, moi, je le sentais tellement le rouge. À un moment donné, je me suis dit qu'il allait pas finir le match. Mais oui, oui, oui. Enfin, je veux pas dire contre une équipe de salopes, mais on l'a tous pensé. On l'a pensé. Tu l'as dit, tu as traduit ce qu'on pensait. Tout à fait. Donc, à voir si. Enfin, de toute façon, il devrait être titulaire le prochain match, puisque Paul Lannes est toujours blessé, Aris Belkebla sera toujours suspendu. Mais va se poser la question à plus long terme. Et là, je suis sûr qu'il y en a plusieurs dans le chat qui vont lever les bras de voir si on garde Jean Lucas ou si ça serait une doublette Magnetti-Belkebla. Mais à chaque fois que Magnetti a joué en pro, il n'a jamais été mauvais. Enfin, ça n'a jamais été contre une... Ah, contre Rodez, c'était pas tout... enfin, c'était pas fou non plus en coupe. Ouais, oui. Après, voilà, contre Rodez, c'était Magnetti M-Box, c'était pas facile non plus pour les deux joueurs. Mais contre Nantes, c'était un naufrage collectif. Oui. Pas que Magnetti, hein, mais pour moi, à chaque fois que j'ai joué en pro, je l'ai jamais trouvé mauvais. Parce que notamment, il a des trucs où on est sûr qu'il va apporter dans un match, et c'est la combativité. Et pour le maintien, c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs comme ça, notamment parce que c'est l'un des seuls, malheureusement, qui a du caractère dans les duels. Oui. Dire qu'on a failli mettre Jean-Kévin Duverne à sa place aujourd'hui. c'est sûr que ça aurait été différent. Parce que... Mais rien que de le voir dans les compositions probables, on a flippé. Oui, oui. Mais t'as compris, toi, enfin vous d'ailleurs, ce choix de Magnetti plutôt que Mbok, parce qu'on Mbok formé au club, on a vu une petite presque propagande pour Mbok, et au final, il ne joue pas, il ne rentre pas. Ça vous semble logique quand même d'avoir préféré Magnetti. Après, le terrain lui donne. Oui. Pas exactement. Oui. Quelle était l'idée derrière? Peut-être que Magnetti est un peu plus défensif et prend un peu moins de ballon à côté de Lucas qui lui le prend trop. Est sûrement le créateur des deux. Donc peut-être Lucas et Mbok auraient fait un peu de répétition. Mais Magnetti ou après pourquoi pas, c'est sûr que c'est deux profils et deux personnalités différentes sur le terrain, en tout cas. Oui. Et peut-être qu'un match pour le maintien contre une équipe de sudistes, lui le sudiste avait peut-être un peu plus les crocs plutôt qu'un Mbok qui est plutôt à l'aise quand il a le ballon, et je vais pas dire qu'il est pas bon dans les duels, mais c'est pas non plus son style de jeu, quoi. Après, je vois aussi pas mal de gens qui râlent sur la présence de Jean Lucas dans le 11 et sur le terrain. Je peux comprendre, hein, parce qu'il y a des aspects très énervants dans son jeu, mais aujourd'hui, je vois pas ce qu'il pouvait faire d'autre d'Olivier Dalio que de l'aligner, quoi. Je veux dire, quand t'as Lannes et Belkebla qui sont absents, on a quand même vu une compo avec Duverne titulaire. On va nuancer les choses quand même, mais pour moi, Jean Lucas avait sa place sur le terrain, même si évidemment, c'est pas Toni Kroos, mais on est bien d'accord. Oh, il n'a pas été si mauvais que ça d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Non. Sur le but. C'est très énervant. Moi, je ne suis pas trop d'accord sur le but parce que je trouve qu'il essaye de défendre. Ce n'est pas un défenseur central. Il ne défend pas bien, mais contrairement à ce qu'on lui reproche, il fait l'effort sur le but. Par contre, sur les deux actions le but. Il court à côté de lui, quoi. Si c'était arrêté, ça serait vu, quoi. Je trouve dur de le juger coupable sur le but. Par contre, sur le reste de sa première mi-temps, c'était compliqué. La deuxième a été très bonne, je trouve. Il a été beaucoup plus simple en deuxième mi-temps en faisant des passes. Parce que en première mi-temps, j'ai l'impression qu'avec le ballon, il voulait absolument faire la différence. Et ça, on l'a vu sur des matchs précédents. Dès qu'il avait le ballon, c'était un petit peu de faire la différence tout seul et d'essayer d'apporter quelque chose de déterminant. Et là, il a fait les choses plus simples. Et du coup, naturellement, son jeu s'est retrouvé... avec beaucoup moins de déchets, et puis il est peut-être un petit peu plus dans l'ombre, mais c'est beaucoup battu aussi, notamment pour récupérer le ballon. Là, on a vu faire pas mal de sprints après la 75e, il avait encore du jus. Ouais, quand il prend son jeune là d'ailleurs. Une note de 5 est méritée. Pardon, je te laisse parler. Oui. Non, mais tu avais raison. Je pensais notamment à l'action où il revient sur, j'ai peur de dire des conneries, peut-être Eliasson, où il prend son jeune alors qu'il y avait un contre qui s'amorçait. Oui, ça, on l'a pas vu assez le faire depuis son arrivée. Sur le coup. Et puis il a dégagé les ballons quand il était au point de corner, et ça c'est quand même une belle victoire.
Oui, oui, très clairement, oui. Peut-être justement l'autre point, je crois que c'est Fanch qui parlait de 75e minute. Une constante, hein, mine de rien, sur cette fin de saison, c'est les changements tardifs. Vous les avez compris cette fois, les changements, ou pas trop? Parce que là, voilà, on va amorcer une petite transition sur la partie 2, mais sur ce match-là, précisément. Pardon, if I speak. Vas-y, speak. Oh la vache, enfin, faut rester mesuré, hein, mais j'ai trouvé que c'est très très compliqué. Ces temps-ci, et sur ce match-là notamment, s'il le sort une demi-heure plus tôt, moi ça me choque pas. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai aucun souvenir de quelque chose de bien qu'il ait fait sur ce match. Honnêtement, je réfléchis. Parce que c'est vrai, c'est un joueur on voit qu'il a des capacités d'accélération, mais techniquement, je sais plus. Je crois que c'est Frédéric Piquion qui parlait de Cardona l'autre jour et qui disait qu'il avait en fait trop de lacunes techniques dans les petits espaces pour. Enfin voilà, s'il devait progresser, c'était là-dedans. Et c'est vrai que, bah, on dirait un joueur un peu un Playmobil. Alors je m'explique, c'est très carré quand il a le ballon, il contrôle et bam, c'est genre tout droit. On dirait qu'il y a des pixels, il peut pas. Je sais pas trop comment m'expliquer, mais il a pas de finesse dans son jeu. C'est vraiment très frustrant. Oui, tout à fait. Oui. Et puis surtout, moi, là, je vais reprendre ce que Paul disait en début. C'est peut-être un des joueurs dont on voit que la confiance est la plus entamée. Plusieurs fois, il tente une remise là où il y a 3-4 mois, il aurait mis une grosse mine. Bon, sûrement à côté, on aurait râlé. Mais là, on sent clairement qu'il y a le doute. Il n'y a plus envie de prendre le risque. Le petit truc qui faisait la différence la saison dernière. C'est vraiment un joueur qui n'a pas dans la tête. Et oui. Bah, dès qu'il commence à ne pas marquer, c'est sûr que c'est compliqué parce qu'il a... Il a beaucoup de bonnes intentions dans sa tête, mais ses pieds n'arrivent pas à faire ce que sa tête leur demande. Quoi. C'est... Est-ce que c'est une question de confiance? On y revient. Ouais, je me demande à quel point. Vous savez, c'était quand il y a eu une série de matchs. Je sais qu'il y avait le match contre Montpellier où il en rate une énorme en toute fin de match. Je me demande à quel point cette série de trois matchs-là. Ouais, il y avait c'était 2-3 matchs d'affilée. Lyon, Lyon, il en manque une aussi. Exact, ouais, oui. Tout à fait. Bah, Lyon, c'était juste avant. Ouais. Mais je me demande à quel point le fait d'avoir manqué ces duels-là face aux gardiens, ça le tue pas, avec d'énormes guillemets évidemment, mais mentalement. Quoi. Et Elbière a raison. Le tout dernier, quasiment la toute dernière action qu'il a juste avant de sortir, il est seul face au but. Il peut tenter une frappe. C'est pas dit qu'il marque. Mais il préfère faire une remise à un Fèvre qui arrive de loin. Qui a des joueurs sur le marquage sur lui. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un joueur là qui ne voulait pas tirer. Quoi qu'il arrive, il ne voudrait pas tirer. C'est un peu con, c'est un attaquant. Et dès qu'il réfléchit trop, c'est fini de toute façon. Et on l'a déjà mentionné à plusieurs reprises. La très très grande majorité de ses buts, il les met en première attention. C'est vrai. Un peu à l'image de Cavani quand il était à Paris. Il n'est pas très bon techniquement. Pour moi, c'est un vrai finisseur. Et pourtant, quand il marque des buts, c'est vraiment des... Ça fait le tour du monde. Techniquement, ils sont quand même assez difficiles à mettre. C'est contre qui? Contre... À Dijon. Dijon, oui. À Dijon, et il y en a une pas loin après, où il met une petite déviation sur un centre rentrant de Honora. Oui. Saint-Té, je ne sais plus. Saint-Té, oui. Saint-Étienne et contre Lille, il y a une belle tête aussi. C'est dommage parce que je sais même pas s'il y a du potentiel en fait chez Cardona, s'il y a un truc à aller chercher, à aller creuser. Mais toujours est-il que s'il y a moyen de faire une situation intéressante, geste technique et de les envoyer en Angleterre, bon, pourquoi pas. Oui. c'est vrai. Sur ce match, il a été associé à Steve Mounier. Alors là, moi, c'est un point personnel que j'avais envie de faire. Steve Mounier, très bon, toujours très bien dans l'application. Bon, comme disait Fanch, il y a peut-être Quentin, cette peur de marquer. Mais en fait, le souci de Steve Mounier, c'est pas lui. C'est qu'on a trop cette facilité à vouloir balancer un sac sur Mounier et lui dire « démerde-toi ». Sur ce match, surtout en première mi-temps, c'est fou, c'est très énervant de voir que des joueurs comme Romain Perrault qui ont... On a l'habitude normalement de combiner sur les côtés, etc. Bah là, non, ça prend le ballon, paf, un gros sac sur Mounier et démerde-toi. Est-ce qu'on serait pas. Allez, la question, elle est putaclic, je connais la réponse, mais est-ce qu'au final, on serait peut-être pas mieux sans Steve Mounier parfois? Pour moi, c'est non.
pour moi, je suis peut-être un petit peu omnibulé par ce joueur, mais je trouve qu'il est tellement important, notamment pour garder le ballon lorsqu'on est sous pression. Je vois aucun autre joueur capable de le faire, certainement pas un joueur comme Charbonnier qui ne fasse pas son rôle de le faire, c'est pas du tout ses qualités. Le Doiron, dès qu'il se fait toucher, il est complètement par terre. Cardona, Honora non plus. Donc je pense qu'effectivement, c'est aux autres plutôt de s'adapter. Je suis d'accord dans ce que tu dis, c'est la solution de facilité de balancer un sac sur Mounier et en ce moment, on s'est constaté que ça marche. N'est-ce pas Lilian? Lilian, il faut qu'il soit plus patient, Lilian. Oui. Mais oui, comme tu dis, la faute, c'est pas de Mounier. Lui, il est dans son rôle, très bien. Il va pas dire non, arrêtez de me donner le ballon, très clairement. Mais est-ce que ça lui plaît d'aller au charbon 90 minutes et de. Je me demande, parce que vu ce qu'il a fait aujourd'hui, je me demande justement, vu qu'il a quand même pas fui le duel, mais il a beaucoup, beaucoup bougé sur le plan de l'attaque. Et si jamais on pouvait avoir la map, enfin, vous savez, les cartes qu'on voit leur. Oui, les hit maps. Ouais. Voilà, merci. C'est un peu tôt. En Ligue 1. Mais ce sera intéressant de la voir et de la comparer avec ses matchs d'il y a quelques semaines. Je pense qu'elle est très différente. Oui, c'est possible. Mais là encore, il a dû compenser Cardona qu'on n'a pas vu. Hein. Max Crépu qui dit dans le chat, il ne joue pas son rôle. Ah oui, je n'avais pas pensé. Oui, mais oui, il ne joue pas son rôle. Voilà, je pense qu'il n'y a pas meilleure phrase pour résumer le match de Cardona aujourd'hui. C'est qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire, il n'a pas fait ce qui était attendu. C'est même pas qu'il a raté, c'est qu'il ne l'a pas fait. Et puis ils ne sont pas aidés, mais les autres joueurs offensifs ont été assez transparents aussi. Hein. On a parlé de Fèvre un petit peu. Honora est moins en vue, forme, que moins décisif aussi qu'il y a quelques semaines. Tout ça combiné avec un milieu de terrain en plus qui est chamboulé, ça aide pas, j'imagine. Je crois qu'il est temps de parler de l'éléphant dans la pièce. Je vais m'y mettre. Ça manque de fluidité, tout simplement. Il n'y a personne pour faire le lien entre la défense et l'attaque. Et malheureusement, ça se voit souvent quand on part en transition et que tous les joueurs offensifs vont vers le but. Oui. Et il n'y a personne qui s'arrête pour créer un relais. Et là, évidemment, il y en a un qu'on sait qu'il le ferait et qui le fait très bien quand il a envie, en tout cas. C'est le divin Roux. Il y a quelqu'un dans le chat qui a envoyé la heatmap de Mounier. Très peu présent devant. Il est vachement présent à droite. Je vous la screen et je vous l'envoie. Je ne sais pas, Yann, si tu arrives, je te l'envoie. Je ne sais pas si tu arriveras à la mettre sur le live, mais c'est très intéressant. Je remercie la personne qui l'a envoyé. C'est l'Armoricain 29. Merci beaucoup. Je t'envoie ça, Yann. Ok, oui, vas-y. Et donc, Quentin, continue sur le divin Roux. Juste une dernière chose avant que je suis très chiant, je sais. Il faudra qu'on se demande si Mounier n'est pas suspendu du coup aussi. Voilà, merci. Oui, je vais répondre tout de suite. Il est suspendu, mais on ne sait pas encore si c'est contre Lens ou Saint-Etienne, puisqu'il a pris 3 jaunes en moins de 10 matchs contre Marseille, Lorient et donc aujourd'hui. Oui. Charbonnier. Donc, il y a tout plusieurs possibilités. Évidemment, en tant que supporter brestois depuis plusieurs saisons, on a tous envie de le voir évoluer. Maintenant, est-ce qu'on veut voir quel charbon on va voir cette saison? C'est sous-tend ça la question. Parce que, évidemment, je ne sais pas s'il n'a pas envie de jouer avec Dalguio, ce qui est possible. Hein. C'est quand même une tête de con. C'est notre tête de con, mais ça reste une tête de con. C'est vrai. Mais c'est la Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'aime, finalement. Il a du caractère aussi. Mais évidemment, Charbonnier, voilà. Est-ce qu'il fait le taf à l'entraînement? Est-ce qu'il mérite de jouer? Ou est-ce que, par son statut, les supporters brestois le demandent? Est-ce que Il y a de ça. En vrai, on va pas se le cacher. Il y a de ça aussi. Il y a sa saison qu'il fait en Ligue 2, qu'on a tous en tête, évidemment, et même l'année dernière, les premiers matchs, on sentait que c'était un élément crucial de l'équipe. Après, je te rejoins, ça dépend de quel Charbonnier on a le droit quand il sera là. Et puis surtout, Charbonnier, ok, mais à la place de qui, tu vois? Comment t'agences ton équipe? En début de saison, du coup, c'était c'était souvent Honora qui n'était pas là. Mais de temps en temps, puisque Nora était pas mal sur le banc, mais de temps en temps, c'était Cardona. Et je pense que là, évidemment, Cardona serait le nom qui reviendrait le plus dans la bouche des supporters brestois. Oui. Parce que pourquoi ne pas...
C'est difficile maintenant, on est à 32 journées, mais pourquoi ne pas réessayer Charbonnier derrière Mounier je... Après, est-ce que ça fait quand un il est, peu... quand il est sur le côté, on voit que ça ne lui plaît pas, et quand ça ne lui plaît pas, ça ne sert à rien d'essayer, en fait. C'est... Oui, c'est presque perdu, totalement. Pas d'avoir un embouteillage parce que Fèvre a pris... parce que les matchs où il n'y a eu que deux matchs où Charbonnier et Mounier étaient titularisés ensemble, c'était Lorient le match aller, et ça devait être Dijon, je crois, juste avant. Mais depuis Fèvre... Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais c'est vrai, tout à fait, deux victoires. Mais depuis Fèvre a pris une dimension et un rôle qu'il n'avait pas à ce moment-là, est-ce qu'aujourd'hui, avec un Fèvre titulaire, un Mounier titulaire, un Charbonnier titulaire, on ne se retrouve pas avec un énorme embouteillage dans l'axe? Je pense que si tu demandes à Romain Fèvre s'il veut jouer avec Gaëtan Charbonnier, je pense que la réponse est oui tout de suite. Oui. Parce qu'ils ont des facilités communes et ils pensent le football de la même façon. Oh ouais, le but là, c'était contre qui ou... Je me souviens pas. Charbol remet contre Reims, non, c'est pas contre Reims, le 2-1. Contre Reims, ouais. Oui, c'est contre Reims. C'est ouais. Ouais, le deuxième but, ouais, c'était incroyable. Mais au-delà du but, moi, il y a un match auquel je pense, c'est Angers. Où bah, là, Mounier, Charbonnier, Fèvre, c'était régal. Et puis voilà, Charbonnier et Fèvre sortent en même temps et on perd un match qu'on avait dans la main. Mais sur ce match-là, c'est le gros regret de la saison pour moi. J'ai jamais vu un Stade Brestois aussi omniscient, on va dire, sur une rencontre. Mais il y a Darlas dans le chat, on le salue évidemment, un fidèle parmi les fidèles, qui dit que ça manque de vitesse. Il est souvent dans le chat qu'il a joué avec Brest. Oui, il est plus souvent sur les lives de Brest en arrière, effectivement. C'est vrai. Et en fait, contre une équipe comme Nîmes, qui joue assez bas, t'as pas non plus besoin de beaucoup de vitesse et de profondeur. Et en fait, c'est surtout ça que Cardona apporte. Et au final, t'as un peu plus besoin de créativité, de jeu en une touche, de Charbonnier. Quoi. Oui. En fait, Charbonnier accélère le jeu, accélère le ballon plutôt que les joueurs. Alors que Cardona accélère tout seul, quoi. je sais pas comment dire ça. Enfin, accélère physiquement, oui. Quoi. Il donne des solutions, il se bat. Mais je pense déjà en plus qu'il a toujours été bien meilleur sur le côté avec Brest que dans l'axe. Et allez, t'as commencé à mettre les pieds dans le plat. Moi, je vais les mettre franchement. Ce qui est d'autant plus navrant dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas l'impression que ce soit, enfin, de moins en moins, que c'est un choix sportif. On a l'impression que c'est vraiment, humainement, ça passe pas entre le coach et le joueur. Je pense que les torts sont partagés. Faut pas trop idéaliser Gaëtan Charbonnier. Il y a eu un excellent documentaire de Beansport qui montre que c'est une bonne grosse tête de con. Et voilà, je trouve que c'est dramatique. Il le fait pas jouer parce qu'il l'aime pas. On peut dire ça comme ça. C'est des suppositions, mais c'est quand même ce qui se transpire de toutes les interviews. Et se pose quand même une question qui revient beaucoup avec Olivier Daoulio. C'est ça, c'est une impression. Je pense qu'elle ne va pas être partagée, mais je pense qu'Olivier Daoulio est à un stade où il préfère finir 17e avec ses joueurs, ses hommes, plutôt que finir 14-15e en faisant jouer des garçons comme Gaëtan Charbonnier, comme Julien Fossurier, qui, certes, ne sont pas faciles à vivre, mais sportivement, peuvent peut-être prétendre à autre chose. Je ne sais pas, il a quelque chose contre les conquêtes, toi, je pense. Ça peut jouer. Ouais, c'est difficile de répondre par oui ou par non, finalement. C'est dur à mon état à l'intérieur du groupe. C'est ça, oui, évidemment. Garder ça à l'esprit aussi, c'est que quand on parle de choses et d'autres de ce style, c'est qu'on n'est pas à l'entraînement tous les jours, on n'est pas dans le vestiaire non plus tous les jours. Et Yann, tu disais que Charbonnier, c'était effectivement une tête de con. C'est vrai que peut-être le supporter tous les jours, ben, c'est humain, peut-être t'en as un petit peu ras-le-bol. Après, je pense que dans une situation comme ça, Olivier Daloglio, c'est pas lui le président du club, il travaille pour le club et je pense qu'il doit faire fi de ça. Et si Charbonnier doit être mis sur le terrain pour sauver l'équipe, bah, il faudra qu'il mette sur le terrain, même si entre les deux ça se passe pas correctement. Moi je pense que Charbonnier pourrait apporter davantage que certains joueurs. Quand je vois que Jérémy Ledoiron va rentrer avant lui et qu'il rentre à la 82e ou 83e minute, bah, ça m'exaspère parce qu'on voit qu'on n'y arrive pas. Ça fait des semaines qu'on est dans le dur et ça change pas. Et ça a un côté assez énervant. Oui, et puis comme le dit Nek dans le chat, au-delà de ça, on finit le match avec Ledoiron en pointe et Charbonnier sur le côté, alors qu'il l'a déjà dit publiquement qu'il n'aimait pas jouer sur le côté. Et Ledoiron, lui, a pas mal joué sur le côté cette saison. Donc c'est terrible. Après, encore une fois, c'est beaucoup d'interprétations, c'est ce qui transpire de beaucoup d'interviews du coach, etc. Mais ça m'attriste, forcément.
Charbonni tout seul en pointe, c'est pas non plus la solution. Hein, donc, Non, non, non. Non, mais sur le côté, c'est pas. Je pense que tu veux lui faire vivre le même supplice qu'Alexandre Alphonse quand il était là. C'est ça que tu veux faire. On embrasse Alexandre Alphonse qui. Ça se passe bien au Servette. Hein. Je crois qu'il est coach. Mais... Oui, il entraîne, coach les, entraîne les équipes de jeunes. Oui. Du coup, pour conclure, on peut dire que enfin, c'est pour mettre Charbonnier sur le côté, autant pas le mettre. Honnêtement, c'est. Oui. Durant Gauchon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Combien de bons matchs il a fait sur le côté, ça n'a aucun sens. Il n'a absolument pas les qualités nécessaires pour jouer sur un côté. Moi, je le mettrais en 10 derrière un attaquant, derrière peut-être, pourquoi pas mettre Charbonnier derrière Cardona, et puis après, même mettre Fèvre sur un côté, moi, je trouve ça désolant aussi, parce que ce joueur, c'est le brider que de le mettre près d'une ligne de touche. Après, il y a le border. Je pense qu'il a besoin de liberté et même jouer Fèvre plus Charbonnier. Effectivement, sur le papier, c'est sympa parce que c'est deux joueurs qui taquinent bien le ballon, qui sont vraiment à l'aise, qui sont techniciens, qui peuvent se faire des passes dans des petits périmètres. Mais est-ce que concrètement, ça apporte quelque chose d'avoir les deux ensemble? J'en suis pas convaincu. Après, il y a le mettre sur un côté. Bon, c'est une chose. C'est ce qu'on voit sur l'écran en début de match. Mais voilà, si encore Charbonnier était mobile, bon. Oui. À la limite, tu le mets sur le côté, il rentre dans l'axe, on perd le ballon, hop, il refait l'effort et il retrouve sur son côté. Mais il n'est pas mobile, quoi. Non, il y a tort partagé, effectivement, je suis d'accord. Non, mais c'est même pas de sa faute. Athlétique, il ne peut pas bouger, il ne peut pas faire les efforts pendant 90 minutes, donc sur le côté, ça n'a pas grand sens. À la limite, tu mets Fèvre sur le côté, bon, bah voilà, il est jeune, il peut quand même se déplacer, il est assez rapide, il est assez vif. Tu lui laisses un peu de. Évidemment, il joue majoritairement sur le côté droit. Il peut revenir sur son pied gauche, ouvrir le jeu. Il peut laisser le côté à Jack Gabriel. Mais Charbonnier, il est à droite, il est sur son pied droit. Enfin, il y a vraiment. Autant, des fois, on voit des trucs, on essaye de les expliquer, là, pour le coup, et on trouve un certain sens, même si on n'est pas d'accord. Autant Charbonnier sur le côté, je ne trouve pas. Ça n'a aucun sens pour moi. Il n'y a pas une bonne raison qui, à part je mets Charbonnier sur le terrain, qui me fait dire ah oui, Charbonnier sur le côté, pourquoi pas? Non. Oui. Bah non, 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 non. C'est pour ça, hein, au final, quand tout le monde demande aujourd'hui Charbonnier, 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 moi je l'entends parce qu'on a tous envie que l'histoire avec Charbonnier se termine de la meilleure ou en tout cas de la moins pire des façons après la saison qu'il nous a faite en Ligue 2. Mais aujourd'hui, sportivement. Moi, j'ai du mal à le voir comment tu mets titulaire, quoi, à part dans un 4-4-2 avec Mounier, mais ça veut dire que tu as Honora et Fèvre sur les côtés. À l'heure aujourd'hui, tu as quand même besoin aussi de te rassurer d'avoir une certaine assise défensive qu'on n'a pas depuis un moment. C'est quand même risqué. Moi, je suis pas convaincu. Après, là, maintenant, j'ai un peu initié déjà le débat avec le sondage. On va peut-être sortir des considérations purement tactiques et voir peut-être un peu plus à long terme. La question est très simple. Est-ce que vous voulez continuer avec Olivier Daglio l'an prochain? Je pense qu'il finira la saison, ça, il n'y a pas de doute. J'ai confiance en lui pour le maintien. Mais est-ce que on veut le voir continuer à Brest l'an prochain? Je pense que là, on a des avis divergents même entre nous. La question que je voudrais bien vous poser, c'est si ce n'est pas Daglio l'année prochaine, qu'est-ce que vous prenez? Enfin, je trouve que ça serait déplacer le débat parce que, avant de penser à le remplacer, il faut déjà savoir si on le garde. Je trouve que c'est un peu trop simple de dire ça dépend qui on le remplace. C'est un peu simple. Là, la question, et je pense que la question se pose notamment à cause des rumeurs. Hein. L'équipe qui annonce des contacts, c'est pas juste un intérêt, c'est des contacts avec Strasbourg, avec Montpellier. Lui-même qui, dans une interview au Telegram, dit que bon. Pour l'instant, il a un contrat, mais s'il a une meilleure opportunité, ça ne le dérangerait pas de partir. Forcément, il relance la question à un moment où, en plus, Brest est dans le doute. Et forcément, je pense que ça divise. On le voit dans le chat, ça commence déjà un peu à s'engueuler plus que ça ne l'a été depuis le début. Si je peux donner mon avis, je repars pas avec Olivier Daglio. Alors, je m'explique. C'est pas parce que je considère que c'est un mauvais entraîneur, loin de là. Je pense qu'il a énormément de qualité et que d'ailleurs il a prouvé en étant à Dijon, en faisant bien jouer Dijon, il a fait à Brest également sur certaines phases, certaines périodes. Il y a eu des moments où on était très content du jeu proposé. On va pas se mentir non plus. Ça peut cracher dans la soupe, c'est facile. Et je trouve que l'histoire, en fait, et tu disais tout à l'heure, Ariane, que l'ère Daglio n'a finalement jamais commencé. Je trouve que
il passe après Furlan, qui avait quand même laissé une trace assez importante au club, même très importante, avec un staff, une équipe vraiment très très soudée. Et on ne retrouve pas ça du tout aujourd'hui. Alors l'objectif, ce n'est pas de reproduire ce qu'on avait avec Furlan, vous allez me dire, je suis bien d'accord. Mais je ne trouve pas qu'il y ait forcément une cohésion entre le groupe, le staff, l'entraîneur, et que les propos des joueurs ne vont pas forcément dans le sens d'un soutien de l'entraîneur, et vice-versa. Quand je vois Olivier Deligueux en conférence de presse, il a une communication très surprenante, pour ne pas dire autre chose, en étant vraiment très virulent parfois envers certains joueurs. Là, par exemple, c'est Mbok qui a pris pour son grade. Le pauvre, il n'a pas joué depuis 6 mois. Je trouve que, en fait, Deligueux n'est pas vraiment compatible avec Brest, je trouve. C'est un ressenti purement personnel, mais je trouve, voilà, c'est un manque une incompatibilité peut-être entre l'homme et le club et les joueurs. Je pense que Quentin n'est pas trop en accord. Je peux me tromper, mais... On a perdu Quentin. Je crois qu'on a perdu Quentin. Non, j'étais muté, c'est mon erreur. Pas de soucis. En fait, je disais que j'étais de plus en plus d'accord avec Franche, malheureusement. Ah, ça fait plaisir. Aïe, je pensais trouver en toi un soutien. Je te laisserai fabriquer sur les routes du tour. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit écho, on nous dit dans le chat. Alors là, je ne sais pas d'où il vient. Dites-nous, est-ce que c'est quand Quentin parle? Est-ce que quand c'est Franche qui parle? Quand c'est moi? En fait, moi, j'ai fait ma tête déjà, et quand je parle... ta petite icône s'allume, Yann, donc je ne sais pas si peut-être quelque chose d'ouvert ou... Je vais me mute et ça sera très... Ok, du coup, je disais donc que j'étais de plus en plus d'accord avec Franche, malheureusement, puisque je suis un grand fan de Deligueux. Je pense que c'est quand même un très très bon coach, mais que c'est vrai qu'il a quand même des petits soucis au niveau de... Au niveau de la gestion humaine, on va dire, pas tant parce qu'il fait des interviews un peu honnêtes, on va dire, qui changent de beaucoup d'entraîneurs ou de beaucoup d'acteurs du monde footballistique. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans le monde footballistique, que ça détonne pas mal. Mais c'est vrai que y a des choix qui sont quand même assez moyens. Pour moi, il est quand même fautif sur la catastrophe lorientaise. Hein. Le 3-5-2 dans un match aussi important, alors pourquoi pas, mais c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression qu'il était travaillé outre mesure, on va dire, avec des joueurs qui n'avaient absolument aucune idée de ce qu'ils devaient faire sur le terrain, et notamment une gestion des latéraux. Hein, et c'était surtout cette peur de gagner, je l'avais dit sur Twitter, pour moi la compo, elle respirait la peur de gagner, et il y avait vraiment une envie à perdre, alors que Brest, ce n'est pas ça, et il l'a rappelé en conférence de presse là maintenant, il faut que Brest de marquer, et c'est pas ce qu'il a non plus montré contre Lorient. Donc je pense que c'est un bon coach, un très bon coach, mais si ça passe pas avec Brest, ça passe pas, il n'y a pas besoin de forcer outre mesure, et moi je suis plutôt Laurent Batless, si on me demande un éventuel remplaçant. Malheureusement, Laurent Batless, s'il monte avec 3, qui est maintenant propriété du City Football Group, je ne suis pas sûr que Laurent Batless soit accessible pour le Stade Brestois. Mais je suis d'accord avec Ken, c'est pas encore le sujet de savoir qui va le remplacer. C'est déjà de savoir, est-ce qu'il reste un an de contrat, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'on s'est maintenu l'année dernière, c'est ça? Oui, mais est-ce qu'il veut rester déjà? Je sais pas là, ce que j'allais dire. Comme Furlan voulait partir, je ne suis pas convaincu que Olivier Deligueux souhaite continuer non plus. Et si tant est qu'il veuille partir, donc Furlan est parti sur une montée en Ligue 1, Deligueux partirait éventuellement, si ça arrive, sur un maintien hypothétique en Ligue 1. Il faudrait aussi se poser la question de deux entraîneurs qui quittent le club. C'est rare de voir des entraîneurs qui quittent un club de leur propre chef, alors que la situation, c'est un club de Ligue 1, surtout à une période où avoir du boulot, c'est important. Poser la question aussi des relations peut-être avec Grégory Lorenzi, avec Denis Le Saint. Est-ce que ça marche si bien que ça? Vas-y Yann. Après, c'est juste pour compléter ce que disait Quentin. Je crois que c'est justement Quentin qui a dit sur Twitter après le match contre Lorient. Le souci, c'est que pour l'instant, Grégory Lorenzi a recruté Olivier Deligueux pour avoir un certain type de coach. Et pour l'instant, il ne l'a pas. En tout cas, sur cette deuxième saison, il ne l'a pas. Donc, on peut comprendre. Enfin, moi, je veux Olivier Deligueux avec ses idées.
Voilà, c'est ça. Et en fait, il nous fait des lorions, même tout ce qu'il a perdu depuis le début de saison, en fait. Tout ce qui était présent, par exemple, contre, on parlait du Angers-Brest. Angers-Brest, très très bien. Très très bien, mais il faut du Angers-Brest à tous les matchs. Alors, on ne demande pas d'avoir une qualité de jeu digne du Angers-Brest à tous les matchs, mais il faut au moins les idées. Et là, il les a complètement perdues pour quelque chose parce que les résultats n'étaient pas là. Alors, oui, certes, mais si on regardait un peu les matchs, les contenus des matchs, on maîtrisait pas mal quand même les matchs et on prenait des buts sur des trucs casquettes. Enfin, c'était une demi-occasion, un but à chaque fois. Et je pense que pendant la saison, ça se serait arrêté. Pas continuer comme ça. C'est pas, je pense que ça s'est jamais vu dans le foot de prendre un but à chaque demi-occasion sur une seule saison. Et ce qui, moi, je trouve regrettable, c'est aussi qu'on ne voit pas de progression dans le jeu. Et surtout, sur les matchs à l'extérieur, il faudrait qu'on calcule, si quelqu'un dans le chat, ou on le fera plus tard, peut-être on pourra sortir la stat sur notre Twitter, le nombre de matchs à l'extérieur qu'on a fait depuis qu'Olivier Dalloglio est là, et le rapport point-match, en fait. On a dû faire 4 victoires à l'extérieur, je pense. On a dû gagner à Toulouse l'année dernière, à Angers, Dijon. Et cette année, on a gagné à Dijon et à Metz. Il me semble que c'est 4 victoires sur presque du coup 30 une trentaine de matchs à l'extérieur. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop faible. Et ce n'est pas forcément la faute des joueurs tout le temps. Je pense que l'entraîneur doit aussi se remettre en question. C'est trop, trop limité pour pouvoir se maintenir en Ligue 1 quand on est Brest. C'est bien de gagner les matchs à domicile, mais tu es obligé d'aller gagner de temps en temps à l'extérieur. Prendre des points. Et on voit des équipes qui le font toutes les semaines. Nîmes qui va gagner à Lille, Nantes qui va gagner à Paris. Et je demande même pas d'aller gagner à Lille et à Paris, mais je demande d'aller gagner, je sais pas, à Nice, je demande d'aller gagner à Saint-Etienne, je demande d'aller gagner à Rennes éventuellement de temps en temps. Et ça, on le voit pas avec l'autre vidéo d'Aloglio. Ça arrive. On se déplace à Saint-Etienne dans 2 semaines et à Nice dans 3. C'est bon, elles sont là, les deux. Bah voilà, peut-être qu'il suffisait juste de demander. Surtout que je finis et je te passe, Paul. Surtout que, juste sans vouloir faire mon prof de match, je rappelle quand même que les matchs à l'extérieur, c'est 50% des points cette saison, comme toutes les saisons. Et voilà. C'est, mine de rien, on ne le pense pas assez comme ça, mais. Bah, du coup, c'est vrai que tu t'as sur la moitié des points. Bah ouais, tu vas jouer ton maintien. Un très bon parcours à domicile. C'est ça. Et donc, cette année, alors, vous allez me dire, c'est une saison, ça se joue aussi. Tu as le droit de faire des exploits, c'est vrai. Mais si on ne fait pas l'exploit retentissant contre Lille en gagnant, il faisait une super première mi-temps, hein, mais en jouant à Lille qui aurait dû en deuxième mi-temps nous éclater, ça peut être aussi une autre histoire. Donc, sur les matchs à l'extérieur qui restent, on a Montpellier, on s'en prend 4 à chaque fois. Nice n'aura plus rien à jouer, donc c'est jouable. Et Saint-Étienne, visiblement, est parti pour se sauver aussi. Donc, il y a quand même, il faudrait au moins prendre. On reviendra peut-être sur le maintien après, mais au moins 3 points avant la fin de saison. Quoi. Par contre, si je reste au pied, je pense que les que tu as cités comme Nîmes qui vont gagner à l'extérieur aimeraient avoir un bilan comme le nôtre à domicile. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais si moi je dis dans les. Mais c'est vrai que le niveau de jeu n'a pas évolué, enfin, n'a pas progressé, on va dire. C'est ça. Plutôt l'inverse même. Je vous trouve relativement dur avec. Avec Dalloglio. J'avoue que j'ai du mal à savoir. C'est l'évolution casquette. Plutôt que le bilan au 11 avril. Il y a de Brest qui est quand même bien parti pour se maintenir. A quand même 36 points. C'est maintenu pendant 2 saisons, hein, quand même avec un des plus petits budgets du championnat. Mais c'est vrai que l'évolution ne porte pas vraiment vers l'optimisme. Quoi. C'est ça qui est plutôt décevant, parce que c'est quand même quelqu'un qui est à Dijon, et même s'il y a eu des hauts et des bas, c'était plutôt constant. Quoi. Et là, l'évolution est plutôt négative, que ce soit dans le style de jeu, ou même dans, je pense, la gestion des joueurs, ou même la relation avec un joueur. Et c'est ça qui, je pense, fait petit à petit pencher les supporters brestois vers un départ souhaité. Bah, petit à petit, comme on est sur Twitch et que l'objectif de Twitch aussi, c'est l'interaction avec les gens, Yann a fait un sondage, regardez, on est à 83% de votants qui ont dit non, c'est colossal, je pensais pas, hein, je pensais qu'on soit sur du 50-50. 83% des gens aujourd'hui ne souhaitent pas. Alors on est peut-être un petit peu dans la culture de l'instant parce que les résultats sont moins bons en ce moment, et c'est énorme, je trouve. Il a le malheur aussi de passer après quelqu'un qui a marqué grandement le stade brestois.
Et pourtant, sur le podcast, on n'était pas forcément des Furlans jusqu'à la mort. Je suis pas sûr qu'on serait en Ligue 1 aujourd'hui si Furlan était resté, par exemple. C'est vrai. Ça, c'est un autre débat, mais je n'en suis pas convaincu. Et après, ça va être compliqué de condenser tout ce qu'il y a à dire, mais d'une part, je pense qu'il faut quand même avoir aujourd'hui, on est hyper critique parce qu'on a le sentiment qu'on pourrait faire beaucoup mieux avec ce qu'on a dans les mains. Ça, je suis d'accord avec vous. En même temps, si vous vous souvenez de notre dernier passage en Ligue 1, putain, je préfère 100 fois le jeu qu'on a aujourd'hui avec Daloglio que celui de cette époque-là, quoi. Alors effectivement, on a des joueurs aussi qui sont pas les mêmes, c'est clair. Mais putain, si en début de saison, on vous avait dit qu'à 32 journées, on aurait 36 points, qu'on aurait quasiment jamais été dans la zone rouge, en termes de jeu, c'est sûr qu'il n'y a pas une progression, je suis d'accord avec vous, qui est phénoménale. En même temps, des équipes qui jouent mieux que Brest dans la deuxième partie de tableau, moi, je regarde Bordeaux, je regarde Saint-Étienne, Strasbourg... Et Lorient, Dijon, Nantes, Nîmes, sans déconner, je ne trouve pas qu'en termes de jeu, on est quoi que ce soit, enfin Brest est quoi que ce soit envié à ces équipes-là, honnêtement. Alors non, mais on est quand même censé jouer beaucoup mieux. Parce qu'on a quand même un coach qui, en tout cas dans sa réputation, a la réputation de bien faire jouer ses équipes. Et on a montré qu'on pouvait le faire en début de saison. En deuxième partie de saison, on est parfaitement dans la moyenne avec ces équipes comme Lorient, Nîmes, Nantes. Le match contre Lorient, c'était une abomination. C'était absolument dramatique. Il me semble qu'on l'a abandonné sur les matchs retour. Un coach qui a été recruté pour ça. Qui a été recruté parce qu'il avait cette idée de jeu qui ressemblait un peu à celle de Jean-Marc Furlan. Alors si oui, on avait recruté Jean... C'est le bilan d'Olivier Daloglio à l'extérieur depuis deux saisons. 30 matchs, 19 défaites, 4 victoires. C'est assez éloquent. C'est éloquent, c'est clair. Et donc 7 matchs nuls, si je calcule bien. Oui, il est bon en maths. Il est bon en maths. Et bon, alors, bon. Je peux vous dire, j'étais avec. Alors, on était ensemble en 5e en maths. Il était très très bon déjà. Après, et pour rebondir sur le deuxième sujet, en plus, c'est ce qui est en train de se dire actuellement dans le chat. On est quand même en train de rebondir concrètement sur des rumeurs pour l'instant qui sont sorties dans les médias. Et après, faut toujours avoir un regard un peu distancié par rapport à la presse. Je suis plutôt bien placé pour en parler pour le coup, mais je pense que en presse, enfin, les journaux locaux en tout cas, n'ont jamais porté au nu le jeu brestois. Alors effectivement, il y a eu des périodes très fastes, mais on a aussi pointé du doigt les critiques dans le jeu quand il le fallait. Effectivement, c'est vrai que les gros médias se sont emballés très très vite par rapport au nombre de buts qu'on voyait dans les matchs de Brest. Après, moi je serais curieux, est-ce que quelqu'un a posé la question de Daloglio de savoir ce qu'il voulait faire concrètement? Je pense que si on lui propose une année de plus, moi je suis pas persuadé qu'il serait forcément contre. Hein. Et je pense même que si on lui... Avec le taf qui est fait par Lorenzi, que moi je trouve pour l'instant... dont la balance est extrêmement positive. Je suis curieux de voir un Daloglio la saison prochaine avec des éléments comme Charbonnier ou Fossurier, malheureusement, après tout ce qu'ils ont apporté à Brest, en moins, mais qui peuvent aujourd'hui être peut-être compliqués à gérer, avec des recrues pour renforcer un peu le banc que je trouve relativement faible, notamment dans le domaine offensif. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner l'année prochaine. Je trouve qu'on est un club qui est très plaisant à suivre depuis des saisons parce qu'il y a aussi cette forme de stabilité, cette forme de cohérence dans le projet qui est mené, contrairement à d'autres clubs qui sont derrière nous. C'est vrai qu'on est peut-être un peu exigeant et on s'habitue un petit peu vite au luxe. C'est vrai qu'on est monté en Ligue 1, on a vu à la trêve qu'on pouvait éventuellement finir dans la première partie du classement. On s'habitue vite justement à avoir de belles choses. On pourrait être Dijon hein, qui vient d'enchaîner une 12e défaite de rang, qui a marqué moins de buts que de... Enfin, ils ont fait plus de défaites que de buts marqués. Enfin voilà, on peut aussi relativiser. Donc, mais on a le droit d'avoir cette petite exigence-là quand même. Ah, bien sûr, il faut. Oui, c'est possible, mais après... Plus vite que les sponsors de l'année.
Oui, ça c'est fort. Mais après, voilà, encore une fois, comme Paul le disait, effectivement, il y a la question des médias. Et mine de rien, peut-être, à mon sens, ce qui peut jouer, malheureusement, c'est le fait que les matchs soient tout le temps à huis clos. Il n'y a pas forcément la même... Enfin, je trouve qu'on ne s'identifie pas aussi facilement à l'entraîneur que si on avait été au stade. Je pense qu'on a vu quelques beaux matchs cette saison. Si on les avait vus au stade, ça serait peut-être mieux rentré. Mais... Bah 100% d'accord, 100% d'accord. Je pense que même pour l'équipe, les joueurs, tu vois, que réussir à faire ce qui a été fait la saison dernière, pour le coup, avant l'arrêt des championnats, on sentait qu'il y avait une vraie osmose entre le groupe et puis les supporters. Je pense que ça, c'est en vrai, mine de rien, pour un club comme le nôtre, ça doit jouer certainement, même tu vois, s'il y avait des messages à faire passer, tu vois, des supporters au coach, par des banderoles, par des chants, ou au contraire réussir à fusionner ce groupe avec les supporters et tout, parce qu'on sait qu'on a des joueurs qui sont très attachés au club et ça doit jouer. En vrai, c'est vrai qu'on l'a pas assez mis en avant, mais je pense que ça doit vachement jouer. Oui, ben, j'ai des matchs, moi j'y pense, par exemple le match de Lyon où on revient à 3-2 avec le public, voilà. Il y a des matchs peut-être contre Metz où on s'endort, on en prend 1, 2, 3, 4 sans vraiment comprendre d'où ça vient. C'est clair que ça aurait certainement changé avec un... Vous allez me dire, c'est pareil pour tout le monde. Je ne suis pas forcément d'accord parce qu'il y a des clubs, comme je vais prendre le cas de Dijon, bon Dijon, je ne vais pas m'acharner sur eux, mais je ne sais pas, Angers, des clubs comme ça. Avec ou sans public, ça ne changera pas grand-chose de toute manière. Des clubs comme Nîmes, comme Brest... En revanche, ça peut changer beaucoup de choses. Après, c'est pas une vérité non plus. Quand on regarde Lens, on peut se dire, bah, sans leur public, ils vont être en difficulté. Non, ils font une saison qui est admirable. Donc, on parle d'éléments sans vraiment être finalement de ce que ça aurait pu changer. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on a peut-être fait le tour de l'histoire d'Aloglio. En tout cas, je sur pense. Ce live, en attendant la suite. La question de savoir qui pour le remplacer, je lance ça comme ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, après, c'est à Grégory Lorenzi de se poser cette question, plus qu'à nous. Mais éventuellement, si vous avez des pistes, que ce soit dans le chat ou ici, allez-y pour conclure, oui. Ah, moi, je serais vraiment curieux d'avoir votre avis. Si aujourd'hui, on dit d'Aloglio, ok, c'est fini à la fin de la saison, qui est-ce qu'à l'instant T, vous iriez chercher? C'est dur de répondre à cette question comme ça. Quentin, tu disais Batless. Ouais, bah après, on nous dit Julien Stéphan. Est-ce que c'est pas un peu Julien Stéphan Oui, il est trop. Qui, trop, voilà, c'est quelqu'un de trop un petit peu. Maintenant, il a connu la Ligue des Champions. Est-ce que revenir dans un club comme Brest, ça l'intéresserait? Je ne suis pas forcément convaincu. Après, j'ai peut-être un entraîneur étranger. On n'a jamais eu à Brest, pourquoi pas? Je ne sais pas. Alors, moi, il y a Mousseline. Il y a deux noms, moi. Le premier, c'est effectivement celui qui est mis par Link dans le chat. C'est Gastien. Certes, il est bien à Clermont, mais au moins, on reste dans le même projet. On reste dans la même logique, avec peut-être quelqu'un qui, humainement, est déjà plus proche. Je sais que ce n'est pas un révélateur, mais on regarde comment Quentin Bernard parle de Jean-Marc Tournant. Quelqu'un qui a dit Moulin. Aïe. Comment quelqu'un Quentin qui a dit Bernard... Moulin. Mais s'il y a Moulin, moi, je quitte la ville. Est-ce que tu peux le bannir, Yann? Non, allez, on ne va pas être dur. Mais comment... Ouais, on regarde comment Quentin Bernard, dans notre entretien, parle de Furlan, comment il parle de Gastien, et puis comment il parle, ou plutôt refuse de parler de Daloglio. Bon. Voilà. Et mon second nom, alors là, par contre, c'est totalement en rupture du projet, mais une des rumeurs, c'est que Olivier Daloglio irait remplacer Michel Derzakarian à Montpellier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui se batte pour Michel Derzakarian. Après, effectivement, ça change totalement le projet brestois, parce qu'on n'est pas sur quelqu'un qui va vouloir faire bien jouer. Et je pense que c'est un entraîneur qui, lui, peut pérenniser le club en Ligue 1 avant de pouvoir... Moi, je vais être là pour le premier clash Lorenzi-Derzakarian, je vais voir ça. Ah oui, je mets de l'argent dessus aussi. Mais sur qui? Ah bah, Lorenzi, évidemment. Le Corse, évidemment, le Corse. C'est vrai qu'après tout, il a quand même frité contre Chris, contre Cassapa, contre toute l'équipe lyonnaise en une seule fois. Donc c'est vrai que difficile de parier contre le Corse. Oui. On peut peut-être passer rapidement sur le dernier objectif, l'objectif maintien, le dernier point. Oui, très rapidement. Et il y a deux informations qui sortent de cette journée. La première, c'est que c'est officiel, Quentin nous l'a dit, on ne peut pas finir derrière Dijon. Voilà, on s'en doutait, mais voilà, maintenant, mathématiquement, c'est fait. Et puis la deuxième info, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est que cette lutte pour le maintien, bah, il y a un nouveau concurrent, hein. On le voit sur le classement, il est 15e.
je pense que Bordeaux, ça peut être peut-être l'équipe la plus mal embarquée entre Brest, Lorient et Bordeaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a leur calendrier qui s'affiche juste à l'écran à Bordeaux et effectivement, c'est bon. C'est le problème dans ces entre guillemets gros clubs comme Bordeaux-Saint-Etienne. À chaque fois, on croit que ça va se casser la gueule et finalement, c'est quand même très rare que ça tombe. Je pense qu'ils ont des joueurs pour faire la différence. Après, visiblement, Paul, tu disais, Yann aussi, tu m'en as parlé plusieurs fois cette année, qu'en interne, ça n'a pas l'air d'être le top cette saison. Après, tu parles de Bordeaux, moi, je n'oublie pas non plus Strasbourg. Il y a un Nîmes-Strasbourg, Nîmes-Strasbourg et Strasbourg-Nantes à venir. Les deux prochains matchs pour les Strasbourgeois risquent d'être vraiment décisifs. Et après, ils enchaînent avec Marseille, Montpellier. Et après, ils ont Lorient. Donc, les Strasbourgeois, ils ne sont absolument pas sauvés non plus. Ça va être une course à 5 ou 6 pour éviter la 18e place. C'est sûr que Bordeaux, ils sont avec nous, en tout cas. On a autant de points qu'eux, maintenant. Et je pense que si t'es supporter de Bordelais, tu penses que t'as moins de chances de te maintenir que Brest. Donc, bon, on a aussi l'avantage d'avoir une différence de but qui est plutôt correcte pour... Étonnamment. Pour cette partie de tableau, on va dire. Parce que Lorient est quand même à moins 20. Nîmes à moins 28 et Nantes à moins 17. Nous, on est à moins 11. Donc, ça fait presque un point en plus, hein, comme dirait Roland Courbis, évidemment. Donc, c'est plutôt... Après, est-ce que ça se voit à la différence de but ou différence de but particulière ? Différence de but. D'accord. Après, ça fait quand même un bon paquet d'années qu'on n'a pas vu un maintien se jouer à la différence de but. On en avait parlé il y a quelques semaines avec Elbière. Je crois que ça fait peut-être 6, 7, 8 ans, ou peut-être même plus. Et je ne pense pas qu'on se redirige là-dessus. Enfin, ce serait un gros coup de pas de bol, quoi, comme la première saison où il faut 45 points pour se maintenir quand on revient en Ligue 1. Il n'y avait pas le maintien de Caen qui avait arraché une victoire à Paris à la toute dernière journée. Ou alors ça se jouait à un point peut-être. Quand ils prennent un match nul, ouais, ils sauvent comme ça à Paris. D'ailleurs, nous, c'est Paris le dernier match aussi. Mais je pense qu'honnêtement, pour sera maintenu avant. Le pessimiste du club. Hein. Mais normalement, entre Strasbourg, Bordeaux, Brest, normalement, nous, on devrait sauver. Pour moi, ça va quand même se jouer entre Lorient et Nîmes, je pense, pour la Nîmes, Bordeaux. Et Nantes, évidemment. Et voilà, LBR qui complète dans le chat, le dernier maintien en goal average, c'est en 2000. Ce serait pas de bol, quoi, que ça revienne là-dessus. Il y a bien une année où ça va revenir. Oui. Oui, les stats sont faites pour être contredites. Bah, peut-être pour finir juste cette émission, maintenant, avec ce résultat-là, avec les 6 matchs qui arrivent, c'est qui vos 3 derniers ? Et je pense qu'on pourra clore là-dessus. Et éventuellement, à quelle place vous voyez Brest ? Honneur à notre invité. C'est pas évident. Honnêtement, paf. Il y a encore beaucoup de matchs entre. Je suis en train de regarder, jeter un petit coup d'œil sur les calendriers respectifs. Ouais, Dijon, c'est fait. À mon sens, Nantes, ça va être très compliqué pour eux aussi. Je crois pas du tout. Je crois pas du tout en Nantes. Nîmes. J'avoue, entre Nîmes et Lorient, mon cœur balance. Je pense que Lorient sur. J'aurais mis Nîmes derrière quand même. À mon avis, même si on n'est pas à l'abri, nous, ni Strasbourg, ni Bordeaux, de se chier un peu dessus en fonction des résultats, je pense que les 4 derniers devraient rester les 4 derniers. Ouais, avec Nîmes barragiste. Si je devais faire ce classement, il y a deux classements. Il y a le classement, celui que j'estime de manière rationnelle. Je pense que Dijon dernier, c'est fait. Dijon, je pense que ça va rester Dijon, Nantes, Nîmes pour moi. Et si ça devait être le classement un petit peu plus du cœur, ce serait évidemment Dijon, Nantes, Lorient, parce que j'aimerais bien voir Lorient dans la merde en barrage. Et si ça pouvait être contre Auxerre de Furlan, ce serait encore plus drôle. Mais tant que c'est pas Brest, je m'en fous. Est-ce que vous seriez inquiet si barrage il devait y avoir pour Brest ? Tout dépend de l'adversaire. Voilà, ça sera un autre débat qui, on l'espère, ne viendra jamais. Hein. Mais ouais, c'est compliqué, ça dépend de l'adversaire. Je regarde pas assez la Ligue 1 en fait, pour répondre à cette question. Moi, je regarde pas mal quand même. Je pense que globalement, on peut presque tous les battre, mais c'est ce presque. Voilà. On espère que la question ne viendra pas. Juste au niveau des barrages, il y a une certitude aussi, c'est qu'on n'affrontera pas Guingamp. Oui. Alors que Guingamp peut être Guingamp, c'est possible. Voilà, on y pense.
Mais du coup, ouais, pour répondre à ma propre question, moi, je vais, et je suis pas le seul, parce que dans le chat, il y en a pas mal qui le font, partir sur un Dijon-Nantes-Bordeaux. Ça fait 2 mois que je dis que Bordeaux va finir dans les tréfonds du classement, et là, ils sont plus proches que jamais, quoi. Ils vont à Monaco la semaine prochaine. Pour moi, la semaine... Oui, ils reçoivent Monaco la semaine prochaine, et après, ils vont à Lorient. Pour moi, dans 2 semaines, ils sont 17e, voire 18e. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit « Barrage de Brest contre Auxerre de Furlan, le scénario cruel et on peut s'en trahir de secret. » C'était également ce que nous a dit Quentin Bernard aujourd'hui, que c'était sa hantise de devoir jouer Brest en barrage. Je suis pas inquiet. Et donc peut-être toi, Quentin, pour ton... puisque tu es le dernier à ne pas nous avoir donné ton... Moi, je vois Dijon qui se maintient. Dijon revanchard qui se maintient avec un grand... Wesley, qui n'a toujours pas gagné un match cette saison, le pauvre. Et Didier Ndong, vous avez pas vu la stat sur Ndong, ça fait 4 ou 5 ans de rang qu'il descend avec l'équipe dans laquelle il est. Oh, vache. Ah vache. René, on n'est pas sur quelque chose comme ça aussi? Nolan Roux aussi. Vive la vie d'Antoine Comboiré. Je regarde juste vite fait le calendrier de Dijon, parce que ça permet de donner 3 points à tout le monde. Du coup, Nice, Rennes, Metz, Angers, ah Nantes. Nantes, ouais, il y a Dijon-Nantes. Et sinon, ils affrontent pas Nîmes, pas Lorient, donc c'est tant mieux pour nous. Ouais, du coup, alors Dijon, évidemment. Ensuite, bah, vu ce que nous avait dit le Nîmois dans notre débat maintien, je les voyais meilleurs que ça, très oui. honnêtement. Mais je pense que parce qu'ils ont l'habitude de jouer le maintien, ils vont réussir à se sauver. Parce que eux, comme tu l'as dit, Fanch, ils arrivent à gagner, par exemple. Ils arrivent à accrocher des résultats ici et là. Nantes... quand même très très poussif contre Rennes, on a pu regarder ça, on a vibré devant le but de Martin Terrier, évidemment. Mm-hmm. C'est quand même très très poussif, et moi je mettrais Lorient en 18e parce que, même contre nous, contre un Brest absolument catastrophique, c'était vraiment pas très glorieux non plus. Hein. Donc on va partir sur Dijon, allez, Lorient 19e et Nantes 18e. Je pense que tout le monde sera heureux ici, que ce soit dans le chat. Voilà. De mon côté, attention, j'ai... à Bordeaux quand même. Gros point d'exclamation oui. sur Bordeaux parce que ça pue. Mais par contre, personne ne voit Strasbourg. Je pense que. Voilà, ils ont ni Brest d'ailleurs. Oui, ni Brest, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Même pas moi. Oui, même pas tout. C'est vrai. En vrai, vu le résultat de cet après-midi, les résultats de cette journée. Je pense qu'il manque vraiment pas beaucoup de points pour même s'éviter les barrages. Une victoire en vrai et serait suffisante à mon sens. Il faudrait qu'on prenne 9. Parce qu'en plus, comme je sais plus qui l'avait judicieusement appelé, le goal-average nous est quand même très favorable. Ouais, si on a 39 points, je vois pas Nîmes nous en prendre 10. Oui, bah, c'est un ça fait 2 journées qu'on flippe. Et au final, on a perdu 0 points sur ces 2 journées sur le 18e. Ouais, normalement 3 points ça passe au moins pour la place de barrage, parce que Nantes en prendra pas 12 sur les 18 restants, ou alors je comprends plus quoi. Et sachant qu'il y a des confrontations directes, donc, 3 points, 3-4 points. Oui, c'est ça, c'est parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand même notre calendrier est quand même relativement favorable. Admettons que Lens, pourtant Lens nous réussit plutôt pas mal à la maison. Admettons que Lens soit vraiment sur une dynamique de folie, qu'ils jouent l'Europe, on prend pas de points la semaine prochaine. On doit recevoir Nantes. On se déplace à Nice qui aura rien à jouer. On se déplace à Saint-Étienne qui aura rien à jouer. Et il m'en manque un. Montpellier. Paris. Montpellier-Paris. Ouais, Montpellier-Paris, c'est un peu chaud. Mais Montpellier, à mon avis, ils n'auront plus rien à jouer non plus à l'avant-dernière journée. Donc, ouais, si on n'est pas capable de prendre 4 points là, effectivement, la question de Brest en Ligue 1 se pose. Mais à mon sens, Brest les prendra. Et oui. Et d'ailleurs, dimanche prochain, à la même heure, on pourra jubiler parce qu'on sera maintenu. C'est tout à fait probable. Parfait. Je crois qu'on a fait le tour, hein, même si c'est Yann qui a pris la présentation en main. Je vais conclure. Ah, merci à tous. On était environ 70 hein, à un moment donné, 75 même, mm-hmm. pour ce live. Donc, je crois que c'est le record, hein, mondial de Brestonair. Donc ça fait plaisir. Merci à tous, merci à toi Paul d'avoir passé cette grosse heure finalement avec plaisir. C'était avec plaisir. Nous.
Merci Florent, merci Yann, encore une fois la technique, même s'il y a un petit écho, on ne sait pas d'où ça vient, désolé hein, d'ailleurs pour la petite technique, ça reste totalement amateur, donc merci à toi Yann de faire du très très beau boulot, et de, est-ce que vous avez vu ces petits visuels, mais c'est fou, hein, c'est fou. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, parce que comme ça vous avez les notifications dès qu'on passe en live, c'est plutôt pratique. Et c'est bien foutu hein, comme outil. Ah ben bah là, Yann, si jamais il trouve pas de taf un jour, il peut se mettre sur Twitch, c'est gagné pour lui. Tout à fait, malheureusement, il n'a pas de talent au niveau jeux vidéo, donc ce sera difficile, mais bon, allez. Oui, très clairement. Peut-être effectivement, je le vois passer dans le chat, Marcel Paquito, saluer l'initiative des supporters brestois qui ont décidé de rembourser, de ne pas demander le remboursement de leur abonnement. Attention, pas de jugement, si vous avez envie de vous faire rembourser, il n'y a pas de souci. On a tous des situations financières différentes, voilà. Mais en tout cas, moi, je souhaitais souligner l'initiative des groupes. Il a l'air de soutenir les armateurs. Je pense que c'est plutôt les amateurs que les Ultra Brestois voulaient soutenir. Effectivement, Yann, tu fais bien de le souligner. Et également, un petit soutien à Paul Lann, hein, qui, malheureusement, lui, la saison, c'est terminé. Donc, prolongation ou pas, pour vous? Pour moi, oui, tu peux pas le... Enfin, tu peux, évidemment, oui. Mais ce serait dégueulasse et ce serait pas beau de laisser un mec comme ça de son âge pour moi tu le prolonges, tu fais le geste, tu manques pas le moment d'être élégant, prolongation. Oui, pareil, mais pas au même salaire. Bien sûr, au SMIC, Paul Lann. C'est Denis qui décide quand même, faut pas oublier. Eh bien pour moi, je serais pas élégant. Oh, il est pas élégant. Non, le stade ça pas va 9, ça va 2 minutes. Bon. Sur ce, cette touche d'élégance, on va se quitter. Merci à tous. Du coup, à une prochaine pour un prochain live Twitch ou un podcast. Bonne soirée à tous et allez Brest. Salut. Kenavo.